un vrai changement quand on a un dirigeant qui prend le temps de s'intéresser, de comprendre l'outil, d'utiliser un tout petit peu pour expliquer à ses équipes ensuite que le digital c'est important. Ça permet, si on suit les bonnes personnes, en tout cas les personnes intéressantes qui publient du contenu intéressant, c'est un bon moyen de suivre régulièrement des bons liens, des liens vers des chiffres via des études, etc. Parce que si on détecte en amont une nouvelle tendance, une nouvelle solution, un nouvel outil qui peut être une nouvelle plateforme qui peut être très utile dans notre business ou pour nos clients, c'est sûr que voilà, potentiellement c'est une cartouche de plus à notre arsenal grâce à Twitter. Je dis toujours un peu, hein, c'est finalement, je peux vous expliquer c'est quoi une ampoule ou la lumière, tant que vous n'avez pas appuyé sur un bouton pour l'avoir fonctionné. Voilà, c'est un peu ou la natation, hein, vous pouvez lire tous les livres du monde à un moment si vous n'avez pas sauté dans l'eau. Donc c'est vrai que le fait de pratiquer, sans forcément devenir le meilleur expert Twitter de France, ça permet de se rendre compte de plein de choses. Et c'est vrai que ce côté justement conversation, échange, collaboration, qui est peut-être moins traditionnel dans certaines industries historiques ou même sur d'autres générations, c'est vrai qu'une fois qu'on l'expérimente en réel via typiquement Twitter, on va pouvoir être avec un étudiant, un chômeur, un expert, une célébrité, enfin finalement croiser plein de gens qu'on ne verra peut-être pas à cause de sa CSP, c'est rafraîchissant, les gens sont quand même plutôt bienveillants. Bon, après on peut se prendre les pieds dans le tapis, on peut les provoquer et se prendre des retours de manivelle, mais voilà, je pense que c'est un bon moyen, et puis après c'est aussi un bon moyen d'exister. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein, un communicant et encore plus un dirigeant doit exister. Il faut faire et savoir faire, mais il faut aussi faire savoir en interne, en externe. Et c'est un outil qui coûte pas cher, à part le temps qu'on y met. Donc c'est même pas une question d'avoir un budget média ou autre. Et c'est aussi un travail de longue haleine. Et comme entre guillemets le vrai travail, c'est pas va être bon pendant un mois, c'est tenir sur la longueur une conversation, commencer à assurer un sujet, une thématique, un positionnement. Mais décréter à l'avance sans avoir regardé que quelque chose qui a l'air de se diffuser en ce moment pas d'intérêt, c'est quand même, je serais un petit peu soucieux. Alors après, moi j'ai pas de problème, quelqu'un qui me dit je préfère utiliser SlideShare à la limite et mettre un SlideShare par mois plutôt que de faire du Twitter ou du Facebook ou autre. Chacun, ce qui compte à la fin, ça reste quand même le contenu, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire passer et la fréquence ou la régularité qu'on a, quel que soit l'outil ou la plateforme. Ça sert à rien d'être sur 10 réseaux si on n'y raconte pas grand chose d'intéressant, on ne prend pas le temps de répondre. Première étape, ça serait d'abord un peu d'écouter avant finalement de poster. Ensuite, c'est bien de poster, mais si on est juste en top-down, c'est dommage de ne pas commencer à comprendre aussi la logique de conversation et d'échange. Et après, je pense que c'est comme tout, il faut se faire épauler. Quand on apprend à nager, on est un maître nageur. Je ne sais pas si on est un maître Twitter, mais voilà, il y a plein de gens, il y a plein de passionnés, il y a certainement des collaborateurs, il y a des agences, il y a des cabinets de conseil, qui peuvent vous aider quand même à, un, comprendre comment ça marche, deux, éviter les erreurs les plus communes, mettre ensuite en place les bons outils, les bonnes guidelines pour vous aider pas juste vous à communiquer, mais à aussi impliquer vos équipes, et puis avoir une vraie stratégie de communication derrière. On communique pas juste pour divertir les gens, on a des messages à faire passer, on a une stratégie avec quelques messages clés, donc que ce soit sur Twitter ou ailleurs, ça se travaille.